Jacqueline Zada-Victor est chargée des relations Paris-Rome dans le 13e arrondissement de Paris. Et depuis 13 ans, c'est-à-dire cette année pour la 13e fois, exactement, elle organise la semaine italienne du 13e. Voici le programme. Alors, à chaque année, il y a des sujets différents. Mm-hmm. Ce qui caractérise ces manifestations, c'est leur extrême diversité. Et cette année, le sujet, c'est le cinéma italien d'hier et d'aujourd'hui. Alors, déjà, un petit regard sur le passé. Alors, parce que cela a été et c'est toujours une très belle expérience. Alors, je vais vous dire pourquoi, peut-être, pourquoi avoir choisi cette année ce thème du cinéma. Ouais. Il se trouve, comme vous le savez, que nous sommes jumelés avec la 3e circonscription de Rome, ouais, le quartier de San Lorenzo. Et donc, je fais depuis 4 ans, à la demande de Dario Marcucci, qui était président del Terzo Municipio, depuis 4 ans avec l'ambassade de France, Palazzo Farnese, la Villa Medici, l'UIC Chateaubriand et Saint-Louis des Français, une semaine française qu'on appelle les Jours de France. Or, il se trouve que cette année, les Jours de France, le thème en était le cinéma aussi, c'est-à-dire les cinéastes français ayant tourné à Rome et les cinéastes italiens ayant tourné à Paris, c'est-à-dire les films tournés, bien entendu. La marraine était Laura Morante. Et donc, on a pensé, dans ce cas-là, de prolonger, si vous voulez, cette idée pour donner une unité entre, pour ce jumelage, de prolonger ce thème. Et c'est ainsi qu'on a mis en place, avec l'équipe du 13e, le maire du 13e, Jérôme Coumet, qui est très attaché à cette semaine italienne, qui est le rendez-vous quand même de tous les Italiens de Paris, si on peut dire, et des associations italiennes. Et donc, on a essayé de prolonger le thème choisi à Rome. Voilà. Oui, il faut considérer que ce quartier, historiquement parlant, était le quartier où se réunissait l'immigration italienne d'autrefois. Exactement. Puis n'oubliez pas que nous avons l'avenue d'Italie qui menait, ouais, vers le sud. Donc, ouais, place d'Italie, avenue d'Italie. En fait, c'était facile lorsque le maire précédent m'avait demandé, lorsque j'étais adjointe à la culture, de trouver quelque chose de nouveau, un événement nouveau à mettre dans le 13e. Place d'Italie, je me suis dit, allons-y. On est déjà, vous savez que Rome et Paris sont c'est le seul jumelage qui existe entre de grandes villes. De grandes capitales européennes. Donc, on a prolongé en faisant d'arrondissement, avec l'arrondissement. Voilà. Voilà. Donc, le cinéma italien, vaste sujet. Le cinéma italien a connu des moments plus ou moins glorieux, mais ouais, reste l'un des cinémas les plus importants du monde. C'est vrai. Alors, je tiens. C'est vrai ce que vous dites, Michael, mais je tiens à préciser quand même qu'il y a aujourd'hui, dans le cinéma italien, de nouveaux metteurs en scène qui ont de l'importance, que ce soit Sorrentino, que ce soit Matteo Garrone, Ivane Di Matteo qui est invité pour la semaine italienne. Donc il y a, me semble-t-il, peut-être que vous, je pense que vous êtes d'accord, un renouveau dans le cinéma. Bien sûr, bien sûr. Il y a un retour d'intérêt aussi de la part de la critique internationale. Valeria Golino, et puis vous avez Valeria Bruni Tedeschi, qui à Cannes, elles ont présenté chacune un film. Bien sûr. Et puis il y a aussi des acteurs qui intéressent, là vous avez cité Valeria Golino, mais on pourrait citer Servillo. Enfin, absolument, qui est un grand comédien. Voilà. La Grande Bellezza, il est magnifique. Oui. C'est un film en hommage à Fellini, mais on pense quand même, en voyant ce film, on pense à Marcello Mastroianni, qui sera notre emblème dans la semaine italienne. Il y aura une photo, une grande photo de lui, la même photo qui se trouve à la Casa del Cinema à Rome, où il est magnifique, en pied, avec une grande écharpe rouge. Ah, il reste quand même une légende, avec un charme vraiment que peu d'acteurs ont. Tony Servillo est magnifique dans le rôle, mais rien ne remplacera, selon moi, Marcello Mastroianni.
Quels sont les rendez-vous que vous conseillez, que vous recommandez à... Alors, il y a plusieurs rendez-vous. D'abord, le samedi, avec les associations italiennes. Et vous savez qu'il y a plus de 50 associations italiennes qui, chaque année, sont là. Donc, le samedi 22. Le samedi 22, à partir de midi, il y aura le consul, le premier adjoint de l'ambassade, il y aura toutes les le Jérôme Coumet, toutes les autorités seront là pour accueillir les associations italiennes qui sont très importantes dans cette semaine-là. Et puis nous avons eu le plaisir d'accueillir, nous aurons le plaisir d'accueillir Ivan Di Matteo, dont vous savez qui a reçu le Globe d'Or, oui, meilleur réalisateur et metteur en scène pour le film Gli Equilibristi, que j'ai rencontré à Rome, qui est un homme squisite. Gli Equilibristi, qui est un homme squisite. Hein, vraiment, et qui vient donc pour une conférence sur le cinéma animée avec Paolo Modugno. Et donc là, je vous conseille de venir, c'est à 17h, ça sera quand même un moment important, me semble-t-il. Et ça, c'est toujours samedi 22. 22 juin. Voilà. Et puis, si vous avez envie de danser, vous avez le soir, bien sûr, à 21h, grand bal, s'il ne pleut pas, avec Giuliano Gabriele, tarantella, etc. Et vous dansez vous-même? Provo. Ci provo. Non, mais j'adore danser, en fait. Voilà. Donc, ça sera quand même un beau moment. Il y a aussi, ce qui est très, chaque jour, il y a un événement. Vous savez que tous les jours, à 19h, il y a apéritif musical avec différents chanteurs, chanteuses, orchestres sur le parvis. Et puis, vous avez le lundi 24, venant de Rome, la Scuola Civica del Terzo Municipio. Ils sont 50 et ils viennent présenter un spectacle, chanter. Donc ça, ça va être aussi un beau moment. Le jeudi 27, nous avons une anteprima d'un film à l'Escurial. L'Escurial est notre partenaire. Et vous verrez que l'Escurial vraiment fait une rétrospective du cinéma absolument rare et très intéressante. Et il y a donc, en partenariat avec la BNP Paribas, nous avons une avant-première d'un film de Paolo Verdi, je crois. Et puis, nous avons aussi un grand moment, Musica Nuda, pour conclure, que vous connaissez. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, ça sera le samedi 29. À 21h, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Ouais, c'est un couple de musiciens, voilà, très originaux et très amusants, même pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de ce genre, voilà, de musique. Petra Magoni, je ne vois rien du tout, voilà, et Ferruccia, voilà. Donc, et puis vous avez, mais tous les jours, je crois qu'il faut regarder... Ce programme se trouve également sur le site. Alors, le site de la mairie. Voilà. Oui, alors, il y a aussi un hommage, si vous voulez, à 20h, par exemple, lundi, je vous ai dit là, oui, le mardi 25, vous avez projection du documentaire Lampedusa à Paris, carnet de voyage, à 20h30, qui sera aussi, et puis vous avez aussi un hommage à Verdi. Hein? Oui, dans le 150e anniversaire de sa naissance. Voilà, vendredi 28 juin à 20h30. Voilà. Mais vous avez, je crois, tous les jours quelque chose à voir. Oui, je souhaitais prononcer mieux Musica Nuda, c'est justement Petra Magoni et Ferruccio Spinetti. Esatto. Voilà. Et donc, dimanche 23 juin, 20h30, hommage à Giuseppe Verdi par l'Académie de musique de Paris, donc à 20h30. Et là, je m'excuse, là je disais une bêtise, c'est le bicentenaire de la naissance, pas le 150e, mais le 200e anniversaire de la naissance de ce grand compositeur italien. Et puis, vous avez la rétrospective du cinéma italien qui dure jusqu'au 2 juillet à l'Escurial. Voilà, où il y a énormément, vous avez Scialla, vous avez Mon père va me tuer, Les équilibristes, Le cri, Piazza Fontana, L'innocent, enfin tous ces films oui, donc, que nous aimons. Comme d'habitude, il s'agit d'un programme très, très riche,
adressée à ceux qui aiment la culture italienne, mais aussi à ceux qui aiment l'Italie, ceux qui veulent retrouver un moment italien dans la capitale française et notamment dans le 13e arrondissement. Et puis vous avez le moment gastronomique aussi, ne l'oublions pas. Sur le parvis, vous avez bien sûr les gelati célèbres, vous avez tous les produits ensoleillés de l'Italie. Et puis la culture existe aussi parce que nous avons la libreria. La libreria donc qui sera là avec des rencontres avec des écrivains et puis présentation de livres aussi. Oui, les visiteurs de notre site connaissent la libreria aussi par l'intermédiaire d'un entretien que j'avais enregistré il y a quelques mois avec Florence Rowe. Qui collabore avec la semaine italienne depuis toujours. Et qui est indispensable à notre semaine italienne. Donc nous sommes maintenant dans la salle des mariages de la mairie du 13e. C'est un endroit très suggestif, très beau, avec cette boiserie, ces fresques. Enfin. Et alors, dans ce contexte tellement suggestif, je vous demande, vous qui parlez si bien la langue italienne, d'adresser quelques mots aux visiteurs de notre site en italien pour les inviter vraiment à venir nombreux à la semaine italienne de cette année. Cari amici, siamo tutti felici di sapere prima che la settimana italiana esiste ancora e soprattutto siamo pronti a incontrarvi e a essere con voi in questi momenti molto felici, molto, come possiamo dire, molto joyeux. Anche emozionante. Emozionante, sì, per questo ho perso le parole, perché veramente per me è molto importante la settimana italiana. Io vado molto per l'Italia, l'Italia fa parte della mia vita e non potrei vivere senza l'Italia. Ecco, bisogna aggiungere e sottolineare che Jacqueline Zanavictor è l'animatrice, più che l'animatrice, è l'anima di questa settimana italiana ormai da 13 anni. Grazie mille a Michele Canonica, che non soltanto lui viene spesso alla settimana italiana, ma di più possiamo dire che è un amico. Grazie Jacqueline, l'amicizia è contraccambiata. Grazie mille.